Depuis les Grecs, Antibes est bâtie sur le rocher qui domine la mer et les remparts n'ont guère changé. Ces remparts ont fasciné Picasso, qui rêve après ces années de guerre sombre de peindre de grandes toiles ensoleillées. Et en 1946, se baignant à la plage à côté d'un homme très célèbre qui était Pablo Picasso, Jules César, Romuald d'Or de la Souchère, lui propose le deuxième étage du château Grimaldi, qui est complètement libre sous les combles. Et Picasso s'y installe en juillet 46. Il va y peindre pendant 6 mois, jusqu'en décembre. Et lorsqu'il s'en va, il va laisser toutes les œuvres qu'il a peintes dans un grand atelier qui est aujourd'hui au deuxième étage, la salle Picasso. En effet, les œuvres qui sont nées à Antibes sont présentées dans le lieu même de leur naissance, dans la même lumière, dans les mêmes conditions. Ensuite, Picasso offre les premières céramiques originales qu'il réalise à Valoris. Deux grandes sculptures faites à Boisgeloup dans les années 30. Très vite, il y a au premier étage 153 œuvres de Picasso. On a ainsi, avec les acquisitions de gravures, les ouvrages rares et les estampes qui ont été faites par la suite, une collection tout à fait unique. Picasso avait 65 ans, il venait de s'inscrire au Parti communiste, il était amoureux fou d'une ravissante jeune femme de 20 ans, Françoise Gillot, peintre elle aussi. Et c'est la peinture de l'amour, c'est la peinture d'une vie quotidienne toute simple. On va chez des pêcheurs, on mange des oursins, on pêche des poissons. Picasso est habité par l'idée que cette ville d'Antibes, c'était une cité grecque. Et toute une série d'œuvres du château, de dessins et de peintures, sont des œuvres bondissantes, surgissant à travers les siècles, toutes remplies de faunes joueurs de flûte, de centaures, de nymphes, de satyres, une sorte de pastorale de la joie de vivre qui vient se mêler à tous les témoignages de la vie quotidienne. La nymphe, aux grands cheveux épars, à la poitrine opulente, qui danse ainsi au centre de cette pastorale, est évidemment Françoise Gillot. Et le centaure représente Picasso lui-même. Un soir, par exemple, une petite chouette arrive par une fenêtre. Et on a une photo de Picasso avec cette petite chouette charmante, effrayée, dans sa main. Et puis, le lendemain matin, plein de dessins de la chouette. En fait, le musée d'Antibes, c'est un été dans la vie de Picasso et on peut suivre d'œuvre en œuvre, jour par jour, heure par heure, car tout est daté au dos, le fil de son inspiration et le développement de tout ce qui va l'intéresser. On voit comment les dessins se simplifient, se décantent au fil des étapes. On voit comment il décide d'assouplir la danse d'une nymphe, de raidir le cou d'un centaure, comment il va simplifier une cafetière pour qu'elle devienne une grande forme grise et blanche dans une composition basée sur le nombre d'or, très classique. Lui qui était le fils d'un grand peintre, professeur de peinture à l'Académie de Malaga, disait qu'il avait mis toute sa vie, à partir de cette formation académique classique, à apprendre à dessiner avec la liberté de l'enfance. Et quand on regarde ces petits visages de chèvres, qui sont presque aussi proches de la peinture préhistorique des animaux de Lascaux, on est à la fois devant la peinture de tous les temps et devant la peinture d'un enfant. Et c'est ce qui est vertigineux chez Picasso, c'est qu'il y a à la fois les racines préhistoriques, les racines grecques, et puis la modernité d'aujourd'hui
et la liberté vis-à-vis de toutes les conventions. Picasso, je te salue, je t'embrasse. Je t'embrasse, t'attache dans l'oreille gauche qui est la même de Gala. Et je te dis en catalan ce que tu aimais tellement dans le temps de mon adolescence. Una poglia chica picca, pagliarica, camotorta, i pagliarica, batanissi, spogli, chic, spic, pagliarica, camotorta. Il y a des animaux emblématiques dans la vie de Picasso. Mais certainement l'animal qui attire le plus cet Espagnol est le taureau. Très souvent, le taureau représente Picasso lui-même. Et très souvent, le taureau est condamné par une femme. Et en fait, le minotaure est un animal pour lequel Picasso a une grande tendresse. Il disait que si on avait réuni par un fil tous les endroits dans lesquels il était passé dans sa vie, peut-être que cela dessinerait la forme d'un minotaure. Et cette tapisserie des Gobelins, tissée en 1935, en est un très bon exemple, avec cette juxtaposition d'une tête de taureau sur des jambes qui avancent au pas de course, comme Picasso lui-même, qui galopait sa vie, profitant de tout avec un appétit de vivre merveilleux.